No, bien. Maman, bonsoir. Maman. Et sa bise, n'a filmé eux. Bonsoir, mais. Maria, je te cherche. Tu as ma dette. Tu as ma dette. Bolimbis, Maria. Naïe, je vais faire un gamin. Non, on a signé Bolimbis. Bolimbis, pardon, tu as signé. Mais ça, chapelé. Non, Il y a une considération, on va péter. Non, bien. Maman, bonsoir. Maman. Et sa bise, n'a filmé eux. Bonsoir, mais. Bonsoir,
Frère Junior, bonsoir. Bonsoir, bien aimé. Maria, je te cherche. Tu as ma dette. Tu as ma dette. Bonne nuit, Maria. Naïf, je vais te dire que je suis un peu. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Tu jouisses des bénéfices, hein, attachés derrière ce que tu fais. Maman, se comprendre. Et ça n'a pas bénéfice pour ma pamboli moro. Et ça t'achète en derrière situation. Et vous deux seulement, vous pouvez déclencher par quoi, par votre si Jean c'était plein, était entré dans la voie à ma conseil, à moi et ses amis. Job ne connaîtrait pas cette restauration. Si David c'était plein à cause de la disparition de cet enfant qui est parti. Dieu ne lui donnerait pas Salomon qui est là et nous. Comme je dis là. Restez confiants en Dieu. Dites-vous que le Dieu qui nous avait donné, où est-il? C'est lui qui est. Et face à cela, nous avons attendu ça. Difficile à accepter comme réalité. Pilule, difficile à avaler. Il faut faire. Il faut faire. Amen. Mais le deuxième angle dans lequel je voudrais que nous avions tous, ça maintenant ça nous concerne nous tous. C'est la réponse que David donne encore en deuxième lieu au verset 23. Il dit, bon, c'est vrai, quand l'enfant était malade, je pouvais jeûner, je pouvais prier, je pouvais. Et maintenant qu'il n'est plus, que voulez-vous? Est-ce que je vais changer la volonté de Dieu? Non. J'aime ce qu'il dit. Il dit, il ne reviendra pas vers nous. Par contre, c'est nous qui irons.
C'est là maintenant la plus grande question. Nous ne sommes pas venus, excusez-moi, pour faire davantage les deuils. Moi, je ne suis pas venu ici pour que Pierrot pleure davantage, pour que son épouse se lamente davantage. Nous sommes venus, je crois qu'il en est le cas avec nous, nous sommes venus pour apporter notre soutien, notre réconfort à nos frères que nous aimons. Mais le problème, c'est aussi nous-mêmes. Il y a personne, la Bible est très importante. Il vaut mieux aller dans la maison de deuil qu'aller dans la maison de festin. Pourquoi? Parce que dans la maison de deuil, tout le monde prend conscience. Vous comprenez ça? Parce que quand on est dans la fête, c'est de la réjouissance. Mais dans la maison de deuil, de tout le monde. Attends, ton ce que vous avez à la pierre, on va voir peut-être. Parce que quand c'est ma vie, nous verrons les mots. C'est qui nous fait, mais tout ce qui est dans ma limite. Pourquoi? Parce que pas loin de nous, il y a la conscience. À tout moment, ça nous prend. On se dit, bah, Wedley est parti. Tout bébé qu'il était. Mais ça va, le prochain, c'est moi. Excusez-moi, c'est la cause avec vous. Ça va, maintenant. Marie-Jeanne, il y en a qui a une bonne humeur. Peut-être que nous en verrons prochainement. Non, on a encore besoin de tout. Donc, c'est-à-dire que la question, c'est celle-là. La fin ne reviendra pas vers nous, mais c'est nous qui irons vers nous. Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous sommes? Si ça nous prenait, qu'est-ce que nous sommes? Parce qu'après cette vie, il y a une autre. Ce que nous sommes en train de dire ici, tout ce qui s'est fait ici, même étoilé, là, on est maman, à mes mains, ou elle est 9 mois, elle m'a mis 4 à mon son. L'enfant est dans son inconscience, mais la plus totale. Je vais m'ajouter qu'il n'a que faire de tout ce que nous sommes en train de faire ici. C'est-à-dire, maintenant le problème, c'est nous. Est-ce que nous sommes? Si ça peut venir aujourd'hui, est-ce que nous sommes? Après cette vie, il y a une autre. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut prier? On peut prier, s'il vous plaît. J'aimerais que nous prions tous ensemble. Mais nous retombons la voix, je ne sais pas. Attends. Mais c'est pas du gros qu'Amen mourir au tir en Amen. Alors que je croyais que. Vous avez qu'un buisson, le buisson. Amen. Alors, nous allons prier tous ensemble, nous allons élever nos voix, rendre grâce au Seigneur. Pour ce qui nous arrive, la Bible déclare que nous devons rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Et quand la Bible dit en toutes circonstances, maman, papa, c'est en toutes circonstances. Et je pense que c'est bien plus dans des circonstances comme celle-ci. Parce que en des circonstances comme celle-ci, Dieu peut évaluer notre amour pour lui, notre maturité, notre fidélité et notre attachement. Nous voulons dire merci au Seigneur. Père, tu nous as donné Wedley, mais il te plaît également de le reprendre. Tout petit, tout bébé qu'il était. Alors que les parents avaient encore bien de toute la volonté possible de rester, donner à l'enfant toute cette affection, toute cette chaleur. Mais la réalité est autre. La réalité est autre. Qu'a-t-il fait cet enfant? Rien du tout. A-t-il mérité vraiment cela? Rien du tout. Mais le Seigneur, dans sa souveraineté, il trouve qu'il doit le faire. Nous voulons nous incliner devant le Seigneur. Lui dire merci. Lui dire, Seigneur, fais à ta volonté. Ce n'est pas un procès que tous ça là. Nous venons tout simplement nous incliner. Au nom de Jésus, nous élevons nos voix et nous prions ensemble. Père, c'est difficile à réaliser, difficile à accepter. Seigneur, moi je l'ai appris comme ça, par de bouche à l'oreille. Et voilà, alors que dans les réseaux sociaux, c'était déjà une actualité. Et Seigneur, je n'ai pas pu, en tant que parent, je suis venu me joindre à mon frère, à son épouse, à la famille, pour apporter mon soutien. Mais avant tout, Père, nous voulons nous incliner face à ta volonté. Nous voulons te dire que nous n'avons qu'un procès à te faire. Nous voulons accepter ta volonté telle qu'elle se présente. Tu nous as donné l'enfant Wedley, mais il te plaît également de le reprendre. Avec peine, nous l'acceptons. Avec difficulté,
nous nous inclinons avec douleur. Seigneur, nous voulons nous soumettre à ta volonté. Nania Salo, voilà. De Dieu, dire au Seigneur d'être leur consolation. Si dans cette situation, ils n'ont pas trouvé une raison d'être forts, si le monde autour d'eux ne les a pas donné une parole qu'il fallait pour les réconforter, mais qu'ils trouvent ne serait-ce que la force dans l'amour de Dieu, que Dieu ne les abandonne. Nous voulons le recommander à la grâce de Dieu, que le Seigneur qui est le meilleur consolateur, amen, console leur cœur. Que le Seigneur qui peut faire au-delà de ce que nous, nous pouvons apporter, fasse mieux dans leur cœur. Amen. Vous savez, Jésus dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, mais pas comme le monde le fait, c'est-à-dire que le monde a sa manière. Les hommes autour de nous ont leur façon de faire les choses. Mais quand Dieu donne, il donne mieux. Nous voulons recommander à Dieu que le Seigneur soit leur force, que le Seigneur soit leur soutien, que le Seigneur soit leur consolation. Au nom de Jésus, nous prions encore une fois tous ensemble. Père de grâce, nous voulons te recommander ces couples. Vous savez, nous voulons nous faire. Seigneur, magnifique, la gloire de ton Seigneur, la gloire de ton Dieu. Que l'honneur te revienne. Merci pour ce que tu sais faire. Au nom de Jésus, garde leur cœur. Seigneur, console, apporte soutien, apporte consolation, apporte visitation dans leur vie. Seigneur, au travers de ce moment, oh Dieu, de grâce à la foi et de grâce
décidé des bénéfices, hein, attachés derrière la situation. Maman, on se comprend. Et ça n'a pas bénéfice pour ma pamboli moro. Et ça attaché derrière la situation. Et vous deux seulement, vous pouvez déclencher par quoi, par votre situation. Si Jean, c'était plein, était entré dans la voie à ma conseil, à moi, et ses amis. Job ne connaîtrait pas cette restauration. Si David s'était plaint à cause de la disparition de, ce, de cet enfant qui est parti, Dieu ne lui donnerait pas Salomon qui est là et là. Restez confiant en Dieu. Dites-vous que le Dieu que nous avait donné, où est-il? C'est lui qui est là. Et face à cela, nous avons 14 ans. Difficile. Accepte comme réalité, pilule difficile à avaler, il faut faire. Il faut faire. Amen. Mais la deuxième angle dans lequel je voudrais que nous avions tous, ça maintenant ça nous concerne nous tous. C'est la réponse que David donne encore en deuxième lieu au verset 23. Il dit, bon, c'est vrai, quand l'enfant était malade, je pouvais jeûner, je pouvais prier, je pouvais. Et maintenant qu'il n'est plus, que voulez-vous? Est-ce que je vais changer la volonté de Dieu? Non. J'aime ce qu'il dit. Il dit, il ne reviendra pas vers nous. Par contre, c'est nous qui irons vers nous. C'est là maintenant la plus grande question. Nous ne sommes pas venus, excusez-moi, pour faire davantage les deuils. Moi, je ne suis pas venu ici pour que Pierrot pleure davantage, pour que son épouse se lamente davantage. Nous sommes venus, je crois qu'il en est le cas avec nous, nous sommes venus pour apporter notre soutien, notre réconfort à nos frères que nous aimons tous. Mais le problème, c'est aussi nous-mêmes. Il y a un verset de la Bible qui est très important. Il faut mieux aller dans la maison des deuils qu'aller dans la maison de festin. Pourquoi? Parce que dans la maison des deuils, tout le monde prend conscience. Vous comprenez ça? Parce que quand on est dans la fête, c'est la réjouissance. Mais dans la maison des deuils, des deuils. Attends, ton site, c'est tout le monde qui a un pied peut-être. Parce que quand c'est pas venu, il y a un mot. Tu sais qu'il y a une crème, tu sais qu'il y a une limite. Non, moi, limite. Pourquoi? Parce que pas loin de nous, il y a la conscience. À tout moment, ça nous prend. On se dit, bah, Wedley est parti. Tout bébé qu'il était. Mais ça va, le prochain c'est moi. Excusez-moi, c'est la cause avec qui n'a pas même. Marie-Jeanne, il y en a qui a une bonne image, peut-être que je vais vous le prochain. Non, on a encore besoin de toi. Donc, c'est-à-dire que la question c'est celle-là. L'enfant ne reviendra pas vers nous, mais c'est nous qui irons vers nous. Qu'est-ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes? Si ça nous prenait, qu'est-ce que nous sommes? Parce qu'après cette vie, il y a une autre. Ce que nous sommes en train de dire ici, tout ce qui s'est fait ici, même trop là, on est maman, elle m'a mangé 9 mois, elle m'a mis 4 morceaux. L'enfant est dans son inconscience, mais la plus totale. Je vais m'ajouter qu'il n'a que faire de tout ce que nous sommes en train de faire ici. C'est-à-dire, maintenant le problème c'est nous. Est-ce que nous sommes? Si ça peut venir aujourd'hui, est-ce que nous sommes? Après cette vie, il y a une autre. Que le Seigneur bénisse. Ceux qui attendent, après, on a une raison. Est-ce qu'on peut prier? On peut prier, s'il vous plaît. J'aimerais que nous prions tous ensemble. Mais on retombe la voix, je ne sais pas. J'attends. Mais c'est pas du gros qu'Amen mourir au Tina. Amen. Alors que je croyais que. Vous avez qu'un buisson, le buisson. Amen. Alors, nous allons prier tous ensemble, nous allons élever nos voix, rendre grâce au Seigneur pour ce qui nous arrive. La Bible déclare que nous devons rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Et quand la Bible dit en toutes circonstances, maman, papa, c'est en toutes circonstances. Et je pense que c'est bien plus dans des circonstances comme celle-ci. Parce que en des circonstances comme celle-ci, Dieu peut évaluer notre amour pour lui, notre maturité, notre fidélité et notre attachement.
Nous voulons dire merci au Seigneur. Père, tu nous as donné Wesley, mais il te plaît également de le reprendre. Tout petit, tout bébé qu'il était. Alors que les parents avaient encore bien de toute la volonté possible de rester, donner à l'enfant toute cette affection, toute cette chaleur. Mais la réalité est autre. La réalité est autre. Qu'a-t-il fait cet enfant? Rien du tout. A-t-il mérité vraiment cela? Rien du tout. Mais le Seigneur, dans sa souveraineté, il trouve qu'il doit le faire. Nous voulons nous incliner devant le Seigneur. Lui dire merci. Lui dire, Seigneur, fais à ta volonté. Ce n'est pas un procès que tu as salaire. Nous venons tout simplement nous incliner. Au nom de Jésus, nous élevons nos voix et nous prions ensemble. Père, c'est difficile à réaliser, difficile à accepter. Seigneur, moi je l'ai appris comme ça, par de bouche à l'oreille. Et voilà, alors que dans les réseaux sociaux, c'était déjà une actualité. Et Seigneur, je n'ai pas pu, en tant que parent, je suis venu me joindre à mon frère, à son épouse, à la famille, pour apporter mon soutien. Mais avant tout, Père, nous voulons nous incliner face à ta volonté. Nous voulons te dire que nous n'avons qu'un procès à te faire. Nous voulons accepter ta volonté telle qu'elle se présente. Tu nous as donné l'enfant Wesley, mais il te plaît également de le reprendre. Avec peine, nous l'acceptons. Avec difficulté, nous nous inclinons. Avec douleur, Seigneur, nous voulons nous soumettre à ta volonté. Nania Salo, voilà. Ce couple Ndomba, si à la grâce de Dieu, dire au Seigneur d'être leur consolation.
tu es dans cette situation, ils n'ont pas trouvé une raison d'être fort. Si les membres autour d'eux ne les a pas donné une parole qu'il fallait pour les réconforter, mais qu'ils trouvent ne serait-ce que la force dans l'amour de Dieu, que Dieu ne les abandonne. Nous voulons les recommander à la grâce de Dieu, que le Seigneur qui est le meilleur consolateur, console leur cœur. Que le Seigneur qui peut faire au-delà de ce que nous pouvons apporter, fasse mieux dans leur cœur. Vous savez, Jésus dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, mais pas comme le monde le fait. C'est-à-dire que le monde a sa manière. Les hommes autour de nous ont leur façon de faire les choses. Mais quand Dieu donne, il donne mieux. Nous voulons recommander à Dieu que le Seigneur soit leur force, que le Seigneur soit leur soutien, que le Seigneur soit leur consolation. Au nom de Jésus, nous prions encore une fois tous ensemble. Père de grâce, nous voulons te recommander. Ce couple, ça va être notre couple, nous voulons trouver. Seigneur, magnifique, la gloire de ton Seigneur, que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Merci pour ce que tu sais faire. Au nom de Jésus, garde leur cœur. Seigneur, console, apporte soutien, apporte consolation, apporte visitation dans leur vie. Seigneur, qu'au travers de ce moment, oh Dieu, de grâce, à la foi et la consolation.